Salut, nouveau Vlogmas, nous sommes lundi 5 décembre, il est 11h et déjà merci pour le vlog d'hier, tous vos petits messages sympas concernant ma maman. Quelques petites nouvelles, ce matin elle est allée faire sa prise de sang parce que c'est sans rendez-vous, je sais pas, je pense que c'est partout comme ça, mais le problème, la pauvre, il fait quand même 3 degrés, mais ce matin, enfin là il est 11h, 3 degrés, donc il devait faire 1 degré, elle est pas en forme. Une heure dans le froid, il y avait une queue apparemment de folie, c'est jamais comme ça, mais il semblerait que le laboratoire était en grève les 3-4 derniers jours, ce qui fait que tout le monde a pris ce rendez-vous là, et elle m'a dit j'ai tenu, elle était frigorifiée, et je lui ai dit par contre tu prends ton rendez-vous rapidement comme prévu, vu que c'est une urgence pour la radio, accrochez-vous bien, sur le même niveau que le vlog précédent, elle lui a dit que c'était une urgence, la dame lui a dit fin décembre. Ma mère lui a dit non, c'est une urgence et pas avant 10 jours. Elle est pour rien, hein, la dame qui prend les rendez-vous. Apparemment, il y a beaucoup de demandes. Je veux bien l'entendre, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, les choses avancent, ça c'est une bonne chose. On va monter après pour les petits calendriers de l'Avent. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, puisque... Ouais, on est en retard. Pour ma maman, il y a eu deux choses. Le 4, donc hier je ne vous ai pas montré, ce sont les accroches qu'on met sur les rideaux, les pompons. Ils sont très jolis, elle les aime beaucoup. Et je sais en plus que si jamais ça ne correspond pas au style, aux couleurs de ces rideaux, que ce soit dans le salon ou dans sa chambre, elle va l'utiliser, elle va couper, elle va customiser. Elle adore faire ça autour de petits verres, de vases. Enfin voilà, elle a beaucoup aimé. Et aujourd'hui, c'est le pompon de la marque, vous savez, dans ma box, une de mes dernières box, j'ai travaillé avec la marque Marie-Antoinette, qui est Place Vendôme, Versailles et tout. Et il m'avait offert, donc la marque en plus, pas mal de petites choses pour découvrir, et notamment ce pochon qui est super joli, que ma maman avait vu déjà, elle l'avait trouvé trop beau. Et en plus, je l'avais en double, puisque ma famille, qui m'a fait découvrir en fait cette marque en allant sur Paris, m'en avait offert un, qui est d'ailleurs dans cette étagère toujours en déco. Et donc elle était ravie, voilà, et après on va monter pour regarder la petite case clinique. Par contre c'est bien gentil, donc on chauffe à 19, dehors il fait 3 degrés, mais les vieilles maisons, grandes maisons comme ça, tu chauffes à 19, il fait 17. Donc t'as un ressenti qui est un petit peu limite, c'est pour ça que je me suis habillée approximativement. Par contre ce pull il est canon, enfin il est canon, non, il est pas ouf en visuel, mais... Regardez l'intérieur. L'intérieur, c'est de la moumoute. C'est parfait quand je fais du montage. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je me suis mis en tenue de travail. Il faut que je m'avance. Vu qu'il y a énormément, merci, hein, de commandes pour la box de décembre. Elle est d'ailleurs encore en commande. Dépêchez-vous. Hein. Encore 5 jours, donc jusqu'au 10 décembre. Je vais m'avancer. Je vais faire tous les cartons au moins. Parce que sinon, je vais être sous l'eau. Et il faut que je continue le... descriptif du flyer pour qu'après je puisse vérifier toutes les fautes et puis l'envoyer à l'imprimeur. Donc ça va me prendre pas mal de temps et bien évidemment le montage du vlog puisqu'on fait du daily vlog. Ah oui, également j'ai vu avec la fille d'Eric qui va récupérer donc la table pour qu'après on refasse tout l'aménagement du salon. Ça va se passer dans la semaine, en tout cas elle va venir pour étudier parce que la table est grande, comme on l'a emmené et tout, donc ça risque de se faire fin de semaine je pense. Ça c'est cool, ça c'est un beau projet, ça me fait très plaisir. On va juste bouger les meubles et refaire toute une déco, mais j'aime bien. T'as l'impression d'être un peu ailleurs. C'est parti pour la case du calendrier de l'Avent. Clinique, case numéro 5. Oh, c'est une grande boîte. Alors, ah, déjà c'est du liquide. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, je sais pas, une lotion. Une lotion, on va dire. Ah, c'est top, c'est un démaquillant pour les yeux, les lèvres. Qui vient démaquiller, qu'est-ce qui est écrit? Démaquillant facile, chouette. Je viens de mettre un petit coup sur l'objectif parce que j'ai l'impression que sur les prises précédentes, c'était un peu granuleux, c'était pas net. Et là, j'ai l'impression que c'est mieux. Je me suis également détaché les cheveux parce que ça tient plus chaud. Et j'ai mis un peu de rouge à lèvres parce que je me trouvais palote vu que j'avais mis juste un truc rose clair. Je vais me mettre ici pour bosser. Le truc, c'est que ça va pas être évident pour filmer parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, évidemment. Mais... pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que pour l'édition de Noël, j'allais changer exceptionnellement de papier de soie, donc papier de soie que j'ai reçu, et j'ai bien envie de vous le montrer. Alors après, celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés juste pour le papier de soie, ne regardez pas, mais ça vaut le coup, il est super mignon. Alors, il est arrivé super bien présenté, donc ça c'est le logo, et on va être sur un papier de soie d'ailleurs plus épais, mais regardez comme il est joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous montre comment il rend
en simulation box. J'ai juste posé le sticker, hein, je ne l'ai pas collé. Et également, donc le, je vous montre pas, de toute façon je ne l'ai pas, le flyer, donc le visuel que je vous avais montré l'autre fois, ça va pas être celui-là parce que je le trouvais trop foncé. Par rapport au papier de soie, c'est un autre et bah, vous aurez la surprise pour les personnes qui recevront leur box. C'est la sortie du jour. Il doit être 17h30, on va aller faire des courses. Super, j'ai envie de vomir, mais je crois que c'est le contre-coup, le stress d'attendre les résultats, tout ça. Je suis anxieuse, quoi. Mais bon. Allez, on va faire les courses. Je crois qu'il en avait marre, il a envie de rentrer. Grosse course, hein. Regardez ça. Non, mais toi, t'as déjà rangé tes trucs. Les crêpes, je vous les ai déjà montrées. On les trouve au rayon quoi, pain de mie et compagnie. Elles sont fraîches. Plomberie, t'as dit? Arrête, pourquoi tu lances mes noix de cajou? T'as ta robe de chambre et t'as gardé ton écharpe. Je les ouvre à moitié et je les mets au four. Elles sont après hyper croustillantes, c'est trop bon. Et tu peux te mettre un peu de chocolat aussi. Donc le minestrone, j'ai pris. C'est ce que je mange tous les soirs en ce moment. Je sais pas si c'est bon, mais moi ça me fait du bien. J'ai pris quoi? Non, là, je vais me faire une infusion et je vais faire des petits bouts frais. Tu vas faire ça avec tout en fait? J'ai repris ma sauce tomate. Alors j'ai pas compris parce que elles étaient toutes C. Et je les trouvais pas. Et en fait, moi je prends celle-là, l'italienne. Et alors faut m'expliquer pourquoi celle-là elle est A. Voilà, certainement moins de sucre. Et donc on a pris 3 paquets comme ça. C'est ce qu'on prend le matin. C'est bon, c'est bien noté, c'est formidable. Regarde ce qu'il fait ton père, t'as vu? C'est lamentable. Oh, tu lui as mis sur le nez. Oui. Excuse-toi. Ouais. Tu goûtes toi? Non. Il est 18h, ouais, c'est bon. À 18h, il n'y a pas de 4h. Mais à 20h, à la bonne heure. Une chanson à peu près toute l'extension de la journée. Ah bon. Tu réfléchis une connerie? Non, c'est mon père. C'est ridicule. Jack! Jack! Oh non. Mon nom est Gingembre. Gingembre. Ça fait rire les gens. Tu sais qu'ils adorent ce genre de nom. Bien sûr, regarde, Jack est ton premier fan. C'est zoomé à fond. Bonjour. Mais tu es grand. Jean. J'ai l'impression d'être minuscule à côté de toi. Tu aimes le gingembre? J'adore ça. Il y en a plein qui aiment pas, hein, moi j'adore. C'est super intéressant, Caroline. Bah, c'est toi qui as lancé la conversation là-dessus. Sur le gingembre? Bah oui. Regarde pendant que tu fais des conneries ce qu'il fait, regarde. Ah. Rencontre entre le chat et le gingembre. Bonjour. Ah, il hésite. La crêpe est bien tentante quand même. Tu sais que j'ai pas lavé la racine. Hein. La racine? Bah, c'est une racine. Ah d'accord. Allez, on va sur une petite infusion. Nous sommes le lendemain, c'est-à-dire mardi 6 décembre. Je suis en attente en fait. J'harcèle ma maman depuis ce matin. En mode, en plus je l'appelais parce que c'est sa fête le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Genre, je vais lui dire alors les résultats, tu les as depuis hier soir. Elle me fait mais non. En fait, elle n'était pas allée voir parce que tu as ton petit espace sur internet. Là, je la rappelle, après manger à 13h, elle me dit mais j'y arrive pas avec ses identifiants, apparemment ça ne veut pas la reconnaître. Donc elle a dit bah, je vais y aller directement, je vais aller les chercher. Au retour, tu passes à la maison et puis je vais regarder tout ça, je vais interpréter tout ça parce que je suis un petit peu à mes heures perdues médecin. Au moins, on va en avoir le cœur net parce que ça va assez durer. C'est un look improbable. À la base, c'est une tunique. Et elle est jolie quand elle est portée avec une chemise, donc il faut un petit col parce que sinon en l'état c'est bof. Et alors là c'est parce que j'ai un peu froid, quand je reste je vous dis statique, on dirait une combinaison de surf, le truc en dessous, mais non. Et ça me tient chaud, c'est pas hyper beau mais on s'en fout. Il y a autre chose que je voulais vous dire, je ne sais pas. Derrière j'ai fait chauffer, alors faut m'expliquer aussi, c'est une bougie hyper clean, 100%, je fais mais tellement jamais brûlé. J'adore les bougies déco et tout, mais j'ose jamais. Mais ça, je sais que c'est une bougie, mais naturelle, enfin clean de chez clean. J'ai mis une heure, j'ai dû utiliser 11 allumettes pour l'allumer. Quelqu'un m'explique? Donc au niveau de la mèche, c'est dur. Et j'ai insisté, enfin là, elle brûle depuis une demi-heure. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est à la fleur d'oranger en plus, j'adore. Très très beau, ça fait une petite ambiance, vous voyez. Il est 14h, t'as l'impression qu'il... Quoique non, là, dans le sas d'entrée, ça va. Mais voilà. C'est sympa, hein. J'adore l'ambiance. Après, je crois que tu peux pas non plus la laisser brûler trop longtemps. Genre une demi-heure ou une heure, max, dites-moi. Les pros de la bougie, ce qu'il en est. En attendant qu'elle arrive, je vais me refaire une petite bouteille comme ça, enfin une demi-bouteille. Ça y est, je vois qu'elle arrive. Elle s'est garée devant. Bah oui, ma jaquette, c'est mamie qui arrive. Quand est-ce que t'as fait ta cuisine? Hier matin. Ah,
Et donc, c'est pas encore prêt, là? Ben non. Bon, il m'avait dit ce soir. Ah, il dit non, parce qu'il y a ça. Non, ça va. Et maintenant, du coup, c'est même plus ce soir, c'est demain. C'est pas ce soir, c'est demain. Oh. Il me dit, mais c'est pour ça que vous n'arrivez pas à mettre... Ah bon? Ben oui, parce qu'il n'y a rien. Non. Alors, c'est la première fois. Moi, j'attends pas de résultat et je peux aller sur mon truc comme... Mais moi, c'est la première fois. Ouais, peut-être. Bon, écoute. Non, mais c'est pas de ma faute. Hein. Bon, bah, vous l'aurez vu. Entendu. Ils sont toujours pas arrivés, mais moi j'ai fait une capture écran de ces codes et tout. Je vais demander la permission, comme ça je vais pouvoir checker de mon côté, parce que parfois ils disent c'est demain, mais en fait ça arrivera plus tôt. C'est ça qu'il faut que je vous montre. Le calendrier, finalement, je vous ai pas montré aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, c'est la fête le 6 décembre de ma maman, donc je lui ai mis, c'est le parfum La Chênée. Donc c'est chêne blanc, il me semble, que j'ai eu, donc que la marque m'a offert, c'est la marque avec qui j'ai collaboré pour la box précédente, le contour des yeux, et la marque m'a envoyé plein de produits, notamment leur sérum, leur produit pour la nuit, qui est top pour le teint, j'en ai déjà plus, je suis dégoûtée, et j'avais mis de côté le parfum, parce qu'il est tellement délicat, et en plus il est super mignon, je vous le mets, donc il est en photo, et je me suis dit que ça allait lui plaire, ça lui a beaucoup plu, et on va regarder la case numéro 6 du calendrier clic, ça va être compliqué. Vous remarquerez la papade du Jackie qui est bien mise. Oh bah oui, j'aime bien la caméra. Hein, oui, t'es un beau garçon toi. Alors, case numéro 6. C'est pas hyper lourd. Bon, on va dire un petit peu comme le contour des yeux. Un petit truc comme ça, je pense, rond. Ah, je sais pas, ça fait pas de bruit. C'est pas un liquide en tout cas. Donc une crème solide. Une ombre à paupières. Un blush. Non, mais c'est génial! Un blush, en plus, c'est mes couleurs. Moi, je mets du rose en blush. On est d'accord. C'est un rose. Je vais le swatcher. Ah, je suis très contente. Voilà, non, on va dézoomer. Pourquoi ça zoome? Passé un certain âge, on ne zoome plus sur la tête des gens. Non, ça ne se fait pas. Bon, bah, je vais arrêter maintenant ce vlog. Je vais me mettre sur le montage. Et je vous dis à très vite pour la suite. Je pense que je vais continuer ce petit format sur un jour, deux jours. Et puis, ce qui veut dire que pas demain, mais après-demain, la suite des aventures. Si je publie avant, je vous le dis sur Insta. C'est pour ça que c'est bien de me suivre. Caroline Rouxel. Bisous. Ciao.